멜라토닌 분비가 저하되어 뇌 청소가 제대로 이루어지지 않으면 치매 발병을 높이고 여기서 또다시 손상된 뇌세포가 수면 부족을 부르는 악순환이 이어진다는데요. Le vieillissement, disons que les protéines toxiques, donc protéines bêta-amyloïdes et la protéine tau, en réalité, elles apparaissent 15 à 20 ans avant l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc en réalité, un patient Alzheimer pourrait avoir eu ces lésions alors qu'il a 45 ans, par exemple. 20대부터 베타-amyloïdes가 쌓인다는 것. 가벼운 기억력 저하가 있더라도 위험을 인지해 치매로 가는 걸 막아야 합니다. Donc on a également d'autres activités. On va visiter des musées, mais ils sont plus tranquilles et qu'ils passent de meilleures nuits. On sait que le sommeil est important pour tout le monde, et y compris pour les malades. 뇌 손상을 입거나 치매와 같은 퇴행성 뇌질환에 걸린 사람들이 수면 중 각성 상태를 수시로 겪으면 잠이 부족하게 돼 멜라토닌 분비가 줄어든다는데요. Envoyer à l'hormone, à la glande pinéale qui va sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, mais également stimuler des aires cérébrales impliquées dans l'humeur. Et donc finalement, il y a eu des études qui ont été menées aux États-Unis ou en Hollande qui sont assez prometteurs et qui montrent qu'on peut réussir à resynchroniser les rythmes veille-sommeil des patients atteints de démence notamment. Donc il y a premièrement cette notion de sommeil plus léger, deuxièmement cette notion le sommeil. Vous avez également dans la démence souvent une agitation, une déambulation nocturne, un stress, une anxiété aussi. Autant de facteurs finalement qui peuvent être. Et la problématique, c'est que si vous faites quelque chose qui excite le cerveau. 한 연구에서도 고농도 멜라토닌 섭취 군에서 림프관 속 베타-아밀로이드 배출량이 300% 이상 늘어났고 뇌에 남아 있는 베타-아밀로이드는 200% 이상 감소한 것으로 나타났는데요. 그리고 FDA 승인을 받은 치매 치료제 네 가지와 비교했을 때. 멜라토닌이 인지 기능 완화에 더 큰 영향을 미친다는 사실도 확인됐습니다. 멜라토닌의 다양한 기능들이 밝혀지면서 프랑스에서는 멜라토닌에 대한 관심이 뜨겁습니다. 파리 시내에 위치한 한 약국. 멜라토닌 제품들을 쉽게 찾아볼 수 있는데요. 세계적으로 치매와 관련된 멜라토닌에 관한 논문은 약 6만 건 이상에 달할 만큼 멜라토닌에 대한 연구가 활발히 진행 중입니다. 특히 수면 부족에 시달리거나 노화에 관심이 많은 프랑스의 중노년층에서는 필수품으로 자리 잡고 있다는데요. Ah oui, moi j'en prends assez régulièrement. Puis avec l'âge, eh bien, on dort moins et la mélatonine me permet de réguler mon sommeil et puis d'être en forme le lendemain. Mes parents et toute notre famille ont toujours pris de la mélatonine et je voulais une approche plus naturelle et biologique. 프랑스에선 멜라토닌이 건강보조식품으로 분류돼 처방전 없이 구매할 수 있는데요. En général, les personnes qui achètent de la mélatonine sont celles qui souffrent d'insomnie ou de problèmes de sommeil, que ça soit de temps en temps, que ça soit régulier. Chez les personnes âgées, elle est souvent achetée, donc en grande quantité, pour prévenir le vieillissement ou alors des problèmes comme Alzheimer ou la démence. 프랑스를 비롯 전 세계적으로 멜라토닌 판매량은 폭발적으로 증가해 연간 1조 원 이상으로 성장했습니다. 마리 씨도 멜라토닌 많이 알아봅니다. Avant, j'avais pas de gros problèmes de sommeil, mais avec l'âge, c'est devenu très difficile pour moi de dormir. Parfois, j'ai beaucoup de mal à m'endormir et j'ai surtout des réveils nocturnes et des insomnies qui durent plusieurs heures parfois. J'ai des maux de tête quotidiens et ma mémoire est devenue de plus en plus mauvaise. Au début, j'ai pris des somnifères sur ordonnance, mais maintenant j'achète de la mélatonine et j'en prends régulièrement. Et personnellement, je suis très satisfaite. 잠을 못 자면서 기억력 저하와 함께 급격한 피부 노화 등 여러 고비들이 찾아왔다고 합니다. Et il y a des jours où je n'ai pas réussi à dormir jusqu'au matin. Même le matin, j'avais des palpitations cardiaques, des maux de tête qui duraient assez longtemps et je pensais que c'était grave. Parce que le manque de sommeil, ça affecte la mémoire et ça peut provoquer le développement de la démence ou de maladies neurodégénératives. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour changer mes habitudes de sommeil. 사업차 잦은 출장으로 늘 수면이 부족했고, 누적된 수면 부족은 갱년기가 찾아오면서 심각한 불면증으로 이어졌는데요. 그때 큰 전환점이 되어준 건 멜라토닌을 접하게 되면서부터.
Et j'ai découvert que le manque de sommeil était étroitement lié à ma mélatonine corporelle, ce qui m'a incité à m'intéresser davantage et à agir en conséquence. Si on dort bien, on dit qu'on vit longtemps. Et j'ai aussi vu des gens autour de moi qui semblent le confirmer. 꾸준히 멜라토닌을 보충해 준 후 많은 변화들이 찾아왔다는 마리 씨. Et depuis, je me suis progressivement sentie plus à l'aise au lit. Quand je dors profondément, je sens que ma condition physique s'améliore le matin. Je ressens une sensation de rajeunissement avec une amélioration générale de ma santé. Et surtout, je tiens à souligner qu'il ne faut pas ignorer les signaux de manque de sommeil émis par mon corps, en particulier les signaux de mélatonine.